L'Assemblée des communautés de France, l'ADCF, propose une série de tutoriels pour accompagner les intercommunalités sur les questions qui se posent à elles, dans un contexte d'évolution nombreuse pour les communautés tant rurales que celles à caractère urbain. Ces vidéos sont réalisées en partenariat avec le cabinet Landau et Associés et avec les moyens techniques du réseau Idéal Connaissance. Chacune de ces vidéos a vocation à aborder un point particulier, et avec cette vidéo, nous vous proposons celui de la recomposition des assemblées communautaires en cours de mandat. Une question qui se pose avant tout dans le cas des évolutions de périmètre, ces évolutions de périmètre intercommunaux ayant vocation à être nombreux au 1er janvier 2017, qui est la date de l'entrée en vigueur de la mise en œuvre des différents schémas départementaux de coopération intercommunale qui ont été élaborés fin 2015 et début 2016. Les cas d'évolution de périmètre qui aboutissent à une nouvelle répartition des sièges sont les suivants: celui de la fusion de communautés, celui de l'extension du périmètre d'une communauté, et puis celui de la création ex nihilo d'une communauté. On peut donc remarquer que le cas d'un retrait de commune n'aboutit pas seulement, en tant que tel, à ce que la répartition des sièges soit remise en cause. Mais attention, vous allez tous avoir à gérer une répartition des sièges qui pourra être de base ou amiable, dans des conditions très différentes de ce que vous avez connu lors des fusions 2012-2013 et lors des élections de 2014. En 2013, jusqu'à fin octobre, il y avait toute une procédure qui permettait de faire un accord amiable s'appliquant pour les élections de 2014 et le mandat en cours. Et à l'époque, on avait, selon la loi, le droit de faire des accords amiables dans des conditions très, très larges. Sauf que, en 2014, mais postérieurement aux élections municipales, le Conseil constitutionnel, dans une décision Salbris, a censuré ces règles d'accord amiable. Et faute d'accord amiable constitutionnel, on revient à la grille par défaut de répartition des sièges entre communes prévue par la loi, en cas d'évolution de périmètre, ou en cas d'annulation des arrêtés d'accord amiable, ou en cas d'annulation des élections sur une des communes du périmètre. Ce qui a entraîné, pour un certain nombre de communautés, quelques remous, voire quelques bouleversements politiques parfois, dans les années 2014-2015, voire début 2016. Reste que, de toute manière, pour toutes les communautés donc qui vont avoir à gérer des extensions de périmètre, des transformations, extensions ou des fusions, il y aura nouvelle répartition des sièges selon une règle de base de répartition prévue par la loi, et à défaut, quelques petites possibilités d'accord amiable réinstauré par le législateur en mars 2015, mais dans des conditions très limitées que nous allons voir. Mais tout d'abord, la répartition des sièges par défaut, prévue par la loi elle-même. Cette répartition des sièges hors accord local commence avec un certain nombre de sièges qui est prévu en fonction de la strate démographique dans laquelle se situe la communauté. Par exemple, comme vous pouvez le voir sur l'écran, si la communauté comprend entre 10 000 et 20 000 habitants, on partira d'un nombre de 26 sièges. Ces 26 sièges, les sièges de base, sont répartis entre les communes membres de la communauté, après son évolution de périmètre par exemple, selon une règle de proportionnelle à la plus forte moyenne. Une fois que ces sièges de départ sont répartis, la question se pose de savoir si toutes les communes membres de la communauté ont obtenu un siège. Si ce n'est pas le cas, alors celles qui n'ont pas eu de siège obtiennent un siège de plein droit, les autres étant déjà pourvus. Puis viennent quelques ajustements qui permettent de respecter certains principes habituels en droit de l'intercommunalité, comme l'obligation qu'aucune commune ne dispose plus de la moitié des sièges. Si c'est le cas, la commune qui s'était vue attribuer jusqu'ici plus de la moitié des sièges voit le nombre de ses sièges réduit pour passer en dessous de la moitié, et les sièges qui ont été ainsi dégagés sont répartis entre les autres communes membres. Deuxième ajustement, cela concerne les communes qui ont obtenu auparavant chacune un siège de droit. Si le nombre de ces sièges de droit dépasse 30% du nombre de sièges prévus au début selon la strate démographique, alors 10% supplémentaires, donc 10% du nombre de sièges de début plus les 10%, 10% par rapport à ça sont attribués en plus afin
de rehausser un peu, de reconforter en nombre de sièges les communes de taille supérieure. Ce viennent s'ajouter quelques ajustements possibles là, qui sont de l'ordre du facultatif, comme la possibilité, sous certaines conditions, d'attribuer 10% de sièges en plus à peu près librement, si tant est qu'on n'ait pas auparavant effectué l'ajustement par rapport au nombre de sièges de droit. À noter qu'il y a quelques précautions à avoir à l'esprit, à savoir que la population à prendre en compte est la population municipale sans double compte, et qu'il s'agit de celle en vigueur l'année où les communes s'accordent sur la répartition des sièges, car il s'agira bien d'un accord des communes exprimé à la majorité qualifiée de la moitié qui représente les deux tiers de la population, ou des deux tiers représentant la moitié de la population, et si jamais sur le futur périmètre il existe une commune qui représente plus du quart de la population, cette commune doit donner son accord quoi qu'il arrive. Et pour compliquer le tout, d'autres règles s'appliquent encore en communauté urbaine et en métropole. Bon, c'est à peu près les mêmes, mais avec quelques différences. Alors, évidemment, si tout ceci vous paraît compliqué, bien vous avez raison, c'est compliqué. La bonne nouvelle, c'est que la DCF a, comme d'autres organismes d'ailleurs, un système très, très clair et très téléchargeable de simulation, un très bon outil de simulation, et que les amateurs d'applications Apple auront également un logiciel gratuit téléchargeable sur l'App Store fait par le cabinet Landau et associé. Ceci posé, ce n'est pas que des mathématiques, c'est surtout un fait politique. Spatialement, vous vous retrouvez avec des territoires plus ou moins du coup bien représentés en fonction de leur population. Vous vous retrouvez, si on prend les anciennes communautés, avec des communautés qui peuvent se sentir, à tort ou à raison, écrasées. Vous vous retrouvez avec beaucoup de communes qui avaient 2, 3, 4, 5 sièges et qui n'en ont plus dans la grande communauté, parfois dans la très très grande communauté, qui n'ont plus qu'un seul siège. Alors évidemment, on a un titulaire doublé d'un suppléant dès lors que l'on a droit à un titulaire et un seul. Ceux qui ont deux titulaires ou plus n'ont plus de suppléant. Et ça depuis la loi du 16 décembre 2010. Mais, la belle affaire, on se retrouve un peu inquiet, dans un cadre de fusion qui souvent inquiète un petit peu tout le monde, la ville qui a peur de se faire encercler, le monde rural qui a peur de se faire écraser. On est dans un domaine où souvent les inquiétudes des uns font face aux inquiétudes des autres. Face à cela, plusieurs paramètres. Premier paramètre, toute création de communauté, et beaucoup plus aujourd'hui qu'hier, doit être le fruit d'une vision intelligente, d'une gouvernance sur mesure, avec beaucoup d'autres outils que la simple répartition des sièges dans un conseil de communauté. C'est très important, et pour ça nous vous renvoyons vers un autre tutoriel, fait également par la DCF avec le cabinet Landau Associé et les moyens d'idéal connaissance, et qui est le complément naturel du tutoriel que vous êtes en train de visionner. Par ailleurs, il y a évidemment une gestion assez subtile à faire des discussions sur ces questions de gouvernance, qui en général aboutissent bien plus aisément lorsque on a, entre communautés ou entre communes, commencé à travailler sur quelques autres sujets. Et puis, il y a parfois la possibilité de faire un accord amiable, notamment lorsque l'on découvre que l'on a des communes vraiment écrasées quant au nombre d'habitants qu'il leur faut pour avoir droit en moyenne à un siège. Ce sont parfois les petites communes, ce sont parfois les grosses communes, mais presque toujours, ce sont les communes de tailles intermédiaires et qui ont en plus un rôle structurant, intermédiaire justement, sur l'ensemble des communautés, notamment lorsque celles-ci sont très grandes. Et c'est dans ce cadre-là que la loi de mars 2015, mais dans les limites très étroites de ce que permet le Conseil constitutionnel, a permis un accord amiable. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire un accord amiable. La mauvaise nouvelle, c'est que le régime est encore plus compliqué que ce qu'on vient déjà de vous exposer. Alors, on a plusieurs motivations qui amènent à se poser la question de comment trouver un accord local de répartition des sièges, sachant que ces règles-là s'appliquent dans les comités de communes et les comités d'agglomération. On est sur une répartition qui suit plusieurs critères, qui doit être conforme à plusieurs critères. Certains sont bien connus, hein, aucune commune n'a plus de la moitié des sièges, chacune a au moins un siège au sein de l'assemblée intercommunale, il faut suivre l'ordre de la population pour respecter la hiérarchie démographique. Et puis vient la question de ce nouveau critère qui a renforcé un principe de proportionnalité. Lorsque l'on cherche une répartition pour un accord local, il faut que la part de siège qui est attribuée à chaque commune, donc la proportion de siège qu'elle a au sein de l'Assemblée intercommunale, corresponde à la part que représente la commune dans la population de la communauté, à sa proportion en matière d'habitants, à plus ou moins 20%.
Ceci une fois qu'on attribue à chacune des communes un siège qui peut donner parfois un poids important par rapport à la population. Cette nouvelle règle qui a été introduite par le législateur après la QPC commune de Salbris. Dernier critère, c'est un nombre maximal de sièges à ne pas dépasser, et c'est là où réside en partie l'intérêt de l'accord local, outre la possibilité de trouver une répartition différente du nombre de sièges. Ce nombre maximal de sièges est supérieur au nombre de sièges que l'on a hors accord local, généralement de plus de 25%. La difficulté est en effet de trouver une répartition qui permette de répondre à ces différents critères, aussi bien sur l'ensemble des sièges que commune par commune, pour respecter ce critère de proportionnalité à plus ou moins 20%. Et puis, ce n'est pas la fin de vos tourments, puisque maintenant qu'on a recomposé notre assemblée, encore faut-il savoir qui va siéger. Alors, il y a une situation qui est simple, c'est celle des communes de moins de 1000 habitants. On reste sur la même règle, c'est l'ordre du tableau entre le maire et les adjoints qui conduit à déterminer qui va siéger ou pas au conseil de communauté, libre d'ailleurs au maire de démissionner de sa qualité de délégué communautaire pour que les suivants de liste aillent, dans l'ordre du tableau, aillent siéger, etc. Pour les 1000 habitants et plus, alors, on a une première hypothèse qui est simple. Si une commune a le même nombre de sièges qu'antérieurement, ce sont les mêmes qui vont siéger. La vie est belle. Deuxième hypothèse, on peut avoir plus de sièges qu'auparavant. Ce n'est pas l'hypothèse la plus fréquente, mais ça arrive, notamment pour les villes d'une certaine taille. Et là, que se passe-t-il? Ceux des élus qui étaient déjà antérieurement conseil communautaire le restent. Ce n'est que dans les autres élus municipaux que nous allons chercher d'autres délégués communautaires, d'autres élus communautaires, et là par une élection complémentaire à la proportionnelle, avec parité, mais sans obligation, très probablement, de respecter l'ordre des listes de candidats en 2014. Et puis le cas à la fois le plus fréquent et politiquement le plus délicat, c'est qu'on a moins de sièges pour aller siéger à la conseil communauté qu'antérieurement. Alors dans ces cas-là, seuls les sortants, ceux qui étaient conseillers communautaires, peuvent se présenter dans une élection qui, elle aussi, sera au scrutin de liste avec répartition à la proportionnelle. Donc, si une commune passe de 5 sièges à 3, eh bien, au maximum, il y aura 5 candidats qui vont se présenter sur des élections par des listes, par définition, qui pourront ne pas être complètes, et on ira voter entre ces personnes. Dans ce cadre-là, suis-je obligé pour les listes de respecter les listes des élections municipales de 2014 ainsi que l'ordre des listes du candidat de 2014? Très probablement non. Le point est parfois discuté, mais très probablement non. Ce qui permet à certains de trouver avantageux de repartir avec une liste très légèrement différente de celle qui fut composée parfois entre les deux tours lors des élections de 2014, pour peu que les accords politiques ne soient plus aussi harmonieux qu'ils ont semblé devoir l'être. Bref, il y a une marge de manœuvre qui, politiquement, est parfois amusante, voire surprenante, à cette occasion-là. Ces élections auront donc lieu pour recomposer les conseils communautaires, notamment au lendemain des fusions, transformations, extensions ou autres, ou extensions de périmètre. Est-ce que l'on peut voter par anticipation avec un entrée en vigueur différée, par exemple voter en novembre ou en décembre 2016 avec entrée en vigueur au 1er janvier 2017, la délibération valant élection le prévoyant? La réponse est oui, mais il arrive que les préfectures s'en émeuvent, à tort semble-t-il. Bon, il faut savoir qu'il peut arriver qu'elles s'en émeuvent. Nous vous proposons d'autres tutoriels sur cette thématique institutionnelle pour les communautés. Un autre tutoriel sur la gouvernance au-delà de ces aspects touchant à la recomposition des assemblées communautaires, un tutoriel sur la procédure de fusion des communautés et un tutoriel sur la procédure d'extension de périmètre d'une communauté.